www.gmail.com. On va commencer. Nous sommes dans. On continue le Mara Masechet Makot, Perek Rishon. Daf Hey Amud Aleph. La page Hey Amud Aleph, 5A. Au début de la page, il y a une Mishnah. Que vous pouvez voir une Mishnah qui commence la deuxième ligne de la page. C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. Je vous rappelle que le sujet essentiel de ce Perek, de ce chapitre, de ce début de Masechet Makot, il est le sujet des Edim Zomemim, les témoins comploteurs, ou les témoins conspirateurs, comme on préfère les appeler. Les témoins qui, ceux qui donnent un faux témoignage dans Bedin vis-à-vis d'une certaine personne, visant lui faire du mal d'une certaine manière, soit en lui faisant payer une certaine somme d'argent, ou bien encore pire, de lui faire recevoir de malcotes. Recevoir de Makot, oui, le nom de notre Masechet, être la peine de flagellation dont certains avéra qu'ils disent qu'il a fait, ce qu'il faut, ou encore pire, ils veulent lui donner faire condamner la peine de mort. Parce qu'ils disent qu'il a fait une avéra pour laquelle il doit être tué par Bedin. Ils disent qu'il a tué quelqu'un, ou il a fait d'avéra de Gidoui Arayot, ou il a fait de Mechalel Shabbat, Avodazara, etc. Ce qu'il faut. Et ainsi, ils veulent. Et faire mal à cette personne qui n'a rien fait, évidemment. Maintenant, on dit que si on retrouve que c'est faux, alors la Torah elle nous dit qu'il faut faire à eux-mêmes, eux-mêmes reçoivent la même punition, la même peine qu'ils voulaient faire à l'autre. Maintenant, la question elle est comment on peut retrouver qu'ils sont faux témoins. Maintenant, ça, on va être excusé-moi, ça va être pour le sujet de prochain Mishnah. Mais avant, tout d'abord, quand on dit qu'on a la mitzvah d'où v'assitem lo kasher zamam l'assot l'achim. Faites à eux ce qu'ils ont voulu faire à lui. La question elle est que de témoins il s'agit toujours, au moins deux personnes. Oui, ça n'existe pas un témoignage dans la Torah, dans ce qu'on parle ici, dans lequel il y a moins que deux personnes, c'est minimum deux. Ça peut être trois, quatre, cinq et plus. Un groupe de témoins qui est considéré comme un seul groupe. Et alors la question elle est, quand on dit qu'ils ont voulu lui faire payer 1000 euros. Alors, il y a deux personnes qui ont voulu faire payer 1000 euros. Maintenant, il faut le punir, on le faire la même chose à eux comme à lui. Ça veut dire faire à chacun payer 1000 ou la totalité de 1000 entre les deux. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire va système l'eau? Il y a deux personnes qui ont voulu faire condamner une chose à une seule. Alors, on peut se partager entre eux ou pas. Ils ont voulu que la personne reçoive 39 malcotes. Alors, pour le faciliter, on va dire, il y avait 3 edim. Alors, chacun va recevoir 13 ou tous les 3, chacun va recevoir 39. Est-ce qu'on partage la punition entre chacun sa partie à lui, ou bien on dit non, chacun il a voulu faire une mauvaise chose, la Torah lui dit, t'as conspiré une chose, on te punit chacun punition particulière à lui. Ça, ça va être la question, la prochaine Mishnah, ça va être le sujet du prochain Mishnah, la Mishnah au début de Daf Amud Aleph. Dit la Mishnah, Meshaleshin bemamon, ve'en meshaleshin bemakot. Meshaleshin, ça veut dire, qu'il se vient du mot 3, il se partage, ok? Il se repartit peut-être. Il se repartit entre eux dans la peine, dans la punition, dans le paiement de l'argent, et non pas dans la peine de Malkot. Ça veut dire quoi? Maintenant, encore une fois, Meshalshin, la Mishnah, pour faciliter, la Mishnah, elle parle d'un cas de 3 témoins. Ça pouvait être très bien la même chose pour deux témoins, mais c'est plus facile à parler en cas de 3 témoins. C'est pour ça que la Mishnah elle dit le partage de punition entre 3 témoins, est-ce qu'il est fait ou pas? La Mishnah elle dit ça dépend. Quand il s'agit de l'argent, oui, ils ont voulu faire quelqu'un payer 900 euros pour le faciliter, oui. Alors il y a 3 personnes, chacun il va payer 300. Et s'il s'agit de Malkot, alors chacun va recevoir la peine entière de Malkot. Le Gemara, le Mishnah, explique tout de suite. Après, on va revenir à la question. Aux questions. Est-ce que l'on peut demander à un seul de 900 et après lui demande le... Une seconde. Juste, on va lire la Mishnah d'abord, ça va être plus facile. Keitzad, comment c'est là? Heidu shu chayav le chavero matayim zuz. S'ils ont témoigné qu'il doit payer 200 zuz. Ven imtseu zomemin. Et pour là, on va parler de deux témoins, c'est plus facile. Alors, le din, il est meshalshin benem. Il y a deux témoins, chacun paye 100 euros. 100 zouz.
Si c'était en question de 200, chacun il paye 100, la moitié. Aval, imeidushu chayav malkot arbaim. S'ils disent qu'il doit payer, qu'il doit recevoir le malkot. Maintenant, la malkot, on a déjà parlé de ça, je vous rappelle. La Torah, elle l'appelle 40. 40 coups. Mais c'est pas 40, c'est 39. Ok? Quand on dit 40, on parle de 39. Alors, ils ont voulu lui faire recevoir cette peine de 39 coups. Ici, on ne va pas le partager. Il y a trois témoins, chacun va recevoir 13. Non. Chacun va recevoir 39. C'est intéressant. Pour l'argent, on regarde la totalité. On le partage entre eux. Pour le coût, on le fait à chacun la peine entière. La Gemara va essayer d'expliquer. La Gemara va chercher la raison. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand ils sont trois, oui. S'il y a 900 euros, est-ce qu'on peut demander à un de payer les 900 et après, entre eux, qu'ils s'arrangent entre eux. Le chiyuv il est sur chacun. Le chiyuv il est 300. Maintenant, ils peuvent s'arranger entre eux comme ils veulent. Mais c'est une question à part. Mais il faut surtout pas demander de chacun plus que 300 euros. Ça, c'est l'idée. Maintenant, ça, c'est la halakha. La question, elle est pour d'où, c'est quoi la raison de cette halakha, d'où on l'apprend. Alors, dit la Gemara, mina hanei milei. Ça veut dire quoi, mina, c'est rachet tevot. Mina hanei milei. Mina, ça veut dire d'où. Hanei milei, ces paroles. D'où apprenons-nous ces paroles? D'où apprenons-nous cette halakha dite par la Mishnah? Amar Abaye, dit Abaye, on a un pasuk. Plutôt en Gzera Shava. Ne'emar racha bechayavei malkiyot, ve ne'emar racha bechayavei mitot bedin. On sait, je vous rappelle qu'on dit tous les jours, Rabbi Ishmael Omer, 13 mitot à Torah nidreshet, le premier kal vachomer, le deuxième, Gzera Shava. Qu'est-ce que ça veut dire Gzera Shava? Quand on a une tradition directe de Moshe Rabbeinu, comme les Tanaïm qui ont eu la tradition de Moshe Rabbeinu, qui dit qu'on peut apprendre une certaine halakha d'un certain sujet, d'un autre halakha, d'un autre sujet de la Torah, qu'on peut comparer un sujet à l'autre, en se basant sur un mot qui se répète, un mot commun qu'on trouve dans les deux. Non, c'est pas logique, hein. C'est juste un signe que la Torah nous a donné sur quoi cette tradition elle peut se baser. Gzera Shava, ça veut dire qu'on a une tradition de Moshe Rabbeinu, que la halakha elle est ici comme ici. On apprend d'un sujet à l'autre. Et sur quoi cette tradition elle s'appuie. La tradition nous-mêmes elle nous dit que ça va s'appuyer sur le mot commun dans les deux cas. L'autre sujet, dit Rabba, il y a un Gzera Shava entre la peine du mort et la peine de malkot, la peine de flagellation. Quel Gzera Shava? Dans tous les deux, on retrouve le mot racha. Dans malkot, on dit, Ve'aya im bin hakot ha-racha, c'est un passage qu'on a cité à Davbet, à Moudbet, le cas qu'on a frappé le racha, alors on lui appelle racha. Et pour le chiyuv mita aussi, on a parashat matot, quand la parasha elle parle de Harei Miklat, les villes de refuge, on dit là-bas que quand il s'agit de quelqu'un qui a tué Bemezid, alors il est Racha Lamut. On l'appelle aussi Racha. Le Chayav Mita, il s'appelle Racha. Dit Abaye, la Torah, en utilisant le même terme, dans les deux sujets, la Torah, elle tente à nous donner c'est une allusion à faire, à comparer les deux cas. Ça veut dire quoi? Mal et Halan, de même manière que quand il s'agit de la mort, de la peine de mort, En mita le mechza, ça n'existe pas. C'est comme chacun le comprend, ça n'existe pas la mort en moitié. On ne peut pas partager la mort, c'est certain. Et par rapport à Edim Zomemim, justement, qu'on va avoir deux Edim Zomemim qui veulent faire tuer quelqu'un. C'est évident que ce n'est pas la moitié, évidemment. C'est chacun qui va recevoir la peine entière. Alors la même chose, dit la Torah, il y a une comparaison entre le cas du malkot et le cas du mita. Dans tous les deux, comme Mita, il ne peut pas le partager, le Malkot aussi. Bien qu'il y a théoriquement, on aurait pu le partager, la Torah nous dit non. Qu'est-ce que ça veut dire alors, pour expliquer encore un mot de plus? Ben Mamon, quand il s'agit de l'argent, pourquoi on le partage? Pourquoi on le répartit ici? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est logique. Quand il s'agit de l'argent, tous les deux ont voulu faire la personne perdre un certain somme. Alors tous les deux doivent lui faire recevoir cette somme. Mais c'est fini. Théoriquement, il fallait le faire la même chose pour Malkot. C'est juste qu'on a un Gzerat HaKatuv. La Torah a fait un chidouche, que bien que ça aurait été une bonne idée, pourtant, nous dit la Torah, non.
La Torah nous dit que comme le mort n'existe pas à la moitié, la même chose aussi pour le Malkot. C'est ainsi qu'il dit Abaye. Okay? Alors pour Abaye, il ne faut pas chercher une raison pourquoi Mammon, non. Pourquoi pour l'argent on partage. Au contraire, il faut trouver la raison pourquoi Malkot on ne partage pas. Et cela, c'est parce que la Torah le compare avec la peine du mort. C'est clair? C'est ça. Oui, oui ou non? Il y a des questions? Quoi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question que la Gemara va poser. C'est une très bonne question. La Gemara l'a posée plus tard. Oh, ça, c'est une bonne question. Mais Abaye, il n'est pas dérangé par cette question. Pour Abaye, c'est tout à fait normal qu'eux, ils ont voulu lui faire perdre l'argent. Alors, lui, il va recevoir ce qu'on voulu lui faire perdre. Maintenant, la question est quand même là. La Gemara va le traiter. On va essayer de l'expliquer. Mais un peu plus tard, pas ici. Ça, c'était l'avis d'Abaye. Rava, il dit non. La raison est beaucoup plus simple. La raison est commune. La raison est la même. Ba'inem ka'asher zamam la'asot le'achiv ve'leika. Il ne faut pas chercher un gzera shava. Gzera shava est là pour les autres choses. Le chidush, il est, la raison, pardon, pourquoi les malkot on ne le partage pas, c'est parce que si chaque il va recevoir 13 malkot, on voit que tous les deux ils ont voulu faire, tous les trois ont voulu faire que lui il faut le recevoir 39, alors on n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, faites-le ce qu'ils ont voulu faire à leur frère. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu faire 39 et eux, ils reçoivent 13. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Nous, c'est quoi la question évidente? Et l'argent? La même chose. Eux, ils ont voulu faire, chacun, il a voulu faire perdre. Chacun, il déteste ce pauvre juif-là, que Dieu préserve. Et chacun, il veut absolument qu'il perde 1000 euros. Et maintenant, chacun, il va payer 500. Alors, à nouveau, on va faire la même chose. C'est pas kasher zamam. Dit la Gemara, yahi mamon nami. Justement. On n'a pas accompli la mitzvah de la Torah, va citer le kasher zamam et la sot l'achim. Parce que chacun, il paye moins que ceux qui veulent nous faire perdre d'autres. C'est clair? Vous comprenez la question ou pas? Oui? Dit la Gemara, une réponse très très courte qu'il faut expliquer peut-être, mais ça c'est le mot de la Gemara. Mammon mitztaref, malkot lo mitztaref. Dit la Gemara, pour Mammon, c'est oui kasher zamam. Comme il y a trois témoins. Que chacun il va payer 300 euros, la totalité ça va être 900 euros qui va rentrer dans son compte à lui, c'est considéré que chacun on a accompli la mitzvah kasher zamam la'asot le'achiv. Et pourquoi? Parce que 300 euros fois 3, c'est mitztaref, ça s'ajoute. Comment? Ça s'additionne. Et ça, la somme totale, c'est un seul kasher zamam. Par contre, malkot, 3 fois 13 malkot, revient pas à une totalité, 3 fois 13 malkot, à chacun pour 13, revient pas à une totalité de 39. C'est 3, 13, c'est pas 39. 3 fois 300 euros, c'est 900 euros. 3 fois 13 malkot, c'est 13, c'est pas 39. Ça, c'est le mot de la Gemara. Maintenant, pourquoi? Il y a différentes explications. Mais l'explication que l'achronim donne, l'explication qui paraît peut-être la plus simple. Ils disent que, c'est quoi la définition de la peine de malkot et la peine du, pas la peine, et le remboursement, le paiement. Quand on dit qu'ils doivent rembourser, qu'ils doivent plutôt payer, un amende, comme on dit, ça c'est un knas, le plus des avis, il faut payer un knas de 900 euros à la personne. Cela, c'est une affaire seulement entre eux et Hachem, ou c'est surtout entre eux et lui? C'est surtout entre lui. Le but, c'est pas tellement une punition sur eux. Oui, c'est une punition, mais cette punition-là, elle est pour but, pour que cet argent. La Torah, elle n'a pas dit qu'on va le faire perdre cet argent et payer ça à Beit Din, à Beit Hamikdash, par exemple. La Torah, elle aurait pu dire donner 900 euros à Tzedaka. La Torah n'a pas dit ça. Elle aurait pu dire. Elle dit quoi? Donner 900 euros à cette personne. Parce que la punition, elle consiste en quoi? En lui payer. OK? Par contre, Malkot, c'est quelque chose qui reste pur entre eux et Hachem. Vous avez fait une chose, alors vous avez comploté faire une chose, alors vous allez le recevoir. Alors c'est seulement une punition sur eux, pas plus. Alors, les Chachamim disent, quand lui, il a fini avec 900 euros dans son compte, oui, s'il a fini avec 900 euros, alors, c'était accompli, kasher zamam, parce que la Torah, elle a dit, la punition est quoi? Que lui, il reçoit 900 euros, il les a reçus. Par contre, Malkot, lui, il a rien à faire avec les 13. C'est pas une question à lui, c'est une question à eux.
ça reste entre Hachem. Chacun doit payer, doit recevoir 39 malkot. Ok, c'est pas juste la différence, elle est dans la nature de la punition de malkot et le paiement de l'argent. Ok, c'est pour ça que Mammon, Mistaref, l'argent s'additionne et le malkot ne s'additionne pas. Ça reste, chaque tiers reste à sa place. C'est clair? Ça, c'était un petit sugya à la Mishnah qui nous donne cette halakha que l'argent, chacun il paye sa partie et le malkot, chacun il reçoit la peine entière. C'est clair? Maintenant, on passe au Mishnah. Une Mishnah très très importante, qui en vérité, peut-être si c'était nous qui avons écrit la Gemara, on aurait mis cette Mishnah tout au début de Maseret, c'était la première Mishnah de cette halakha de Edim Zomimim, qui pose la question, ou qui traite la question, la première question. Comment justement un témoin devient Edim Zomimim? Comment Edim Zomimim devient Zomimim? La question que la Gemara en vérité l'a mentionnée au début de Maseret. Comment on retrouve, on peut, c'est quoi la preuve que les témoins, que les témoignages sont fausses? Et pourquoi? C'est quoi le problème? L'audit il est que si on a deux témoins contre deux témoins, ou même deux témoins contre 100, ça n'a aucune différence, alors la halakha elle reste en safek. S'il y a deux témoins qui disent, dimanche matin, telle et telle date, Reuven a tué Shimon à Yerushalayim. Après, il y a deux témoins qui disent, dimanche matin, à telle heure, Reuven ou Shimon, tous les deux étaient avec nous à Lod, et tous les deux sont vivants. Ça veut dire, c'est pas arrivé. Ce qu'ils vous dites, c'est faux. L'Odin, il est, c'est pas, il n'y a aucun Edim Zomimim. Ici, c'est Safek. On ne sait pas. Tant qu'on n'a pas vu rien, ça reste Safek. Et même si on va avoir encore 100 témoins pour un côté ou pour l'autre, ça va rester Safek jusque que nous-mêmes on voit, etc. OK? Ça s'appelle Hakrasha. Un témoignage contredit, oui. Ça, c'est une contradiction dans le témoignage. On n'a pas de preuve que l'un est le plus fort que l'autre, même s'il y a 100 d'un côté. De l'autre côté, la Torah, elle a cru deux témoins. La Torah, elle a cru deux témoins sans condition. Ça, c'est en général. Alors, la question, elle est, si c'est ainsi, comment alors on a Edim Zomimim? On ne va jamais avoir Edim Zomimim. Alors, justement, la Mishnah, elle nous dit, on verra le mot dans la Mishnah. On ne peut pas savoir que les témoins en question sont zomemim, sont faux. Ad sheyazimu et atzman. Jusqu'au les autres témoins, les témoins qui on appelle les dîmes mazimim, les témoins qui le rendent zomemim, oui, les témoins qui les accusent, yazimu, ils vont dire que eux ils sont zomemim. Ils vont pas contredire l'histoire racontée par les témoins, ils vont contredire les témoins eux-mêmes. Ça veut dire. Keitzat, explique la Mishnah. Amrou, si le premier témoin on dit, Meidi manu be'ish ploni, on témoigne que telle personne, Reuven, harag et anefesh, il a tué Shimon à tel endroit, à tel moment. Et alors, venu, deuxième couple de témoins. Et Amrou l'aim, et ach atem eidim, chez neherag ze, ach atem eidim, comment vous témoignez ça? Pourtant, chez neherag ze, ce Shimon qui d'après vous, il était tué à ce jour, ou Horeb, ou Reuven, qui a tué d'après vous, dans ce jour, à tel endroit, haya imanu oto ayom ma complon, il était avec nous dans notre endroit, ici, en eilozomemim, on ne croit pas l'un coup plus que l'autre, et ça reste, ça fait. On ne peut pas savoir. Ça, c'est akrasha. Ok? C'est une contradiction. Deux et deux ou deux sont. Et ça va rester suspendu jusqu'au. Ça reste suspendu. Jusqu'au que le Bedin même, il voit, et même ça, c'est pas tellement simple. Hein? C'est pas tellement simple. Ça reste. Akrasha, ça reste, ça fait. On va rester, on va laisser comme ça. Maintenant. Mais surtout pas Zomemim. On ne peut pas croire l'un plus que l'autre. C'est quoi alors Edim Zomemim? Quand la Mishnah elle dit sheizimu et atzman, que le deuxième couple en parlait, on trouvait faux les témoins eux-mêmes, ça veut dire avak amru lahem, si ils ont dit heach atem meidim, comment vous témoignez ça sheharei atem haitem imanu oto hayom bemakom ploni, ils disent non, on ne sait pas, on n'a pas vu ni Reuven ni Shimon, on ne sait pas, peut-être Reuven a tué Shimon à Yerushalayim, je ne sais pas, peut-être c'est vrai, mais une chose on sait, toi, vous ne pouvez pas le témoigner. Et pourquoi? Parce que vous étiez avec nous ce jour, le même temps, à Loud. Ouais, à Paris, pas à Yerushalayim. Alors, une chose est certaine, vous ne pouvez pas témoigner sur ça. Dans ce cas-là, harelu zomemim veneragim alpien. Ici, la Torah a donné un grand chidouche que les
Deuxième témoin, seulement dans ce cas-là, le deuxième témoin sont cru plus que le premier. Alors, de la base de l'Exerat HaKatuv, il y a des Rishonim qui proposent une explication, mais même mais la base reste l'Exerat HaKatuv. Le Rambam le dit clairement, il y a un Gemara qui dit que c'est un Chidouche, ça reste l'Exerat HaKatuv. Que dans ce cas seulement, on fait confiance au deuxième témoin plus qu'au premier. Ok? Mais on ne craint pas qu'il y ait une ruse. La Torah, chaque fois qu'il y a deux témoins, peut-être que ce n'est pas vrai. La Torah dit, Alpi Shnaim Edim Yakum Dovar. Comme il y a deux témoins qui disent un mot, on le croit. Maintenant, s'il y a deux témoins qui nous disent qu'eux, ils ne pouvaient pas être là, et la Torah nous dit, dans ce cas-là, ce n'est pas en contradiction directe. Et alors, eux, ils sont plus crus que le premier, alors ça devient un cas, comme tout autre témoignage. Maintenant, justement, cette question est très bonne parce que la Mishnah va continuer et vous nous dire à quel point ça va. Ça va très très loin, ce dîme. Comme on croit le deuxième plus que le premier. Ok? Mais juste pour ne pas oublier, on a une question sur Reuven et Shimon, qui Reuven peut-être a tué Shimon. Et on dit maintenant que Lévi et Yehuda, c'est le premier témoin, les dîmes, nous sommes mêmes, on va l'appeler maintenant, Lévi et Yehuda qui ont dit que c'est arrivé. Après, on a Issachar et Zvolun qui disent que nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre Reuven et Shimon. Mais on sait que Lévi et Yehuda ne savait pas ça, n'était pas là. Dans ce cas-là, on dit que Sachar et Zvolun sont crus plus que Lévi et Yehuda. Ok? Ça, c'est le cas où on parle. Il y a une petite logique, mais la base reste un chidouche, Gzerat HaKatuv. Mais on veut savoir la logique? Non, je préférais pas rentrer dans ça. Si vous voulez vraiment, il y a un mot qu'ils disent, les Rishonim disent, le Ramban, il le dit, l'auteur, il ramène, que, par exemple, si les témoins, ils disent, il y a deux témoins qui disent une chose, après, il y a deux témoins qui disent, nous, on sait que ces deux témoins, on les a vus, on fait un grand avéra. Alors, ils sont pas sous les doutes. Pas le cas des Dizomim, mais dans ce cas, qu'ils disent, qu'il y a deux témoins qui disent, ces deux personnes, on les a vus dans un endroit qu'ils ne devaient pas être, et là, il a fait de grosses avérotes, alors, ils sont pas sous les doutes. On le croit ou pas? Bien sûr. Hein? Bien sûr que oui. Et les témoins en question, les personnes, évidemment, ils vont pas dire non, c'est pas vrai. Maintenant, c'est eux qui sont accusés. C'est pas eux de témoigner sur eux-mêmes. D'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est certain que les deuxièmes sont plus crus qu'eux. Alors, dites le Rishonim, dans notre cas, ça ressemble beaucoup à ça. Parce qu'on parle, vous n'étiez pas là. On ne contredit pas ce qui vous avait dit. Et quand on vous parle de vous-même, vous ne pouvez pas nous répondre. Quand il s'agit d'une question de Reuven et Shimon, moi je dis une chose, vous dites une autre chose, ça reste égal. Mais quand je parle de vous, mes paroles sont plus fortes que vos paroles, parce que ça concerne vous-même. Ça, c'est un svara qu'il réchauffe et il me dit. C'est pas si simple, mais ça, c'est un deuxième svara. Mais ils connaissent cette astuce, ils vont l'utiliser à chaque fois maintenant. Oh, alors ça, c'est une bonne question. Peut-être c'est la suite de la Mishnah. C'est exactement la même question, mais peut-être la suite de la Mishnah, moi, c'est la même chose. La Mishnah va nous dire maintenant à quel point ça va loin. Baou Acherim. Maintenant, il y a maintenant un deuxième couple de témoins, Dan et Naphtali. Encore. Témoins qui disent la même chose que Lévi et Yehuda. Reuven a tué Shimon à Yerushalayim. Ce que personne n'a contredit. Ok? Et à nouveau, revient Issachar Zvolun, c'était qui c'était le revient Issachar Zvolun et dit non, vous êtes aussi avec nous à tel endroit, dans tel jour. Vous et Lévi et Yehuda, et vous, on était ensemble dans un mariage. Tous les quatre. Baou Acherim, et encore, Gad et Asher, et Zimoum disent la même chose. Aussi, vous êtes le même mariage avec nous, la même soirée, alors vous ne pouvez toujours pas dire la même chose. Dit la Mishnah, Afiloumea. Mais on va avoir encore et encore et encore de témoins qui tous disent une chose, ou Ven a tué Shimon, ce qui n'était jamais contredit, à Yerushalayim. Et ils disent, vous avez tout, nous tous, on était ensemble, en soirée, dans tel endroit, en même temps. Alors, ce n'est pas vrai. Ok? Dans ce cas, toujours dit la Mishnah, Kulam Yargu. Tous les témoins vont être tués en tant qu'Edim Zomemim en se basant sur deux personnes qui disent Imanu Haitem. Ok? Ça va très loin. Vous avez compris le cas? J'explique ça selon Rashi. Il y a un autre pirouge de la Mishnah, mais Rashi, c'est le pirouge le plus simple. Ok? Deux témoins qui vont dire soumis sur 100 personnes, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous. C'était un grand mariage. Je ne sais pas quelle histoire ils vont dire pour le faire. Ils sont crus. Hein? Alors, tout c'était là. Alors, dans ce cas-là, on va le croire. Et pourquoi? Pourquoi pas? Parce que, il y a deux témoins qui disent une chose. Tant que j'ai pas vraie raison de contredire,
je dois obliger de leur accepter et je vais tuer 100 personnes en se basant sur ces deux témoins. Ok ? C'est intéressant, mais ça c'est le dîme de ça c'est un chacham. Dit Rabbi Yehuda il dit stop. Non. Rabbi Yehuda Omer, dans ce cas je ne l'accepte pas. Ce cas-là, qu'il y a deux témoins qui disent vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, tout le monde était avec eux, même d'un coup. Elle dit, Saint-Istetit-Hizo. Ce cas-là, ce couple de témoins qui disent, c'est le Issachar Zvolun, qui disent à tous, vous étiez avec nous, ils ont, Istetit, c'est comme Sota. Vous êtes, il y a quelque chose tordu, il y a quelque chose qui n'est pas droit, il y a quelque chose bizarre, et, hein? Il y a quelque chose vicieux dans ça. Le mot Sota, c'est le chemin d'être chemin qui n'est pas droit. Quelque chose est faux. Alors elle dit, je ne peux pas croire. Dans cette histoire, comme ça devient, tout le monde était avec eux, je n'accepte pas. Et alors dit Rabbi Yehuda quoi? Ve'eino ne'erag el akat harishona bilvad. Le premier dont ils ont dit Imanu haitem, on vous croit, à partir du deuxième non. Ce qui en vérité pas très logique. Oui, la Gemara va poser cette question. Mais Imanafshach, si on vous croit, alors ni le premier, ni le. Si, alors tu crois à tout le monde. Si tu commences à dire que c'est pas vrai, ne tue pas personne sur basant sur quelqu'un que tu penses qu'il est. C'est faute de moi. C'est tuer deux juifs parce que. Et toi-même, tu dis que tu ne crois pas pour le deuxième. Alors, bien sûr que tu ne vas pas tuer le premier. C'est une bonne question. Hein? Oui. On parle toujours, c'est Issachar Zvolun qui dit à tous, vous étiez avec nous. Alors, concernant le Lévi ou Dan, non. Concernant Gad Véacher, Dan, Naftali, tous les autres, oui. Pourquoi? Ok? Alors, ça va être la Gemara va poser cette question sur Rabbi Yehuda. Mais alors, on a la machloket, Rachamim et Rabbi Yehuda. Tous les deux sont d'accord que la base, elle reste que quand. Le deuxième témoin, s'ils vont contredire l'histoire, c'est suspendu, ça reste, on ne sait pas, ça reste un safek. On a deux contre deux, ou deux contre cent, ça ne change rien. Ça change rien. Mais quand il s'agit de deux qui disent quelque chose, vous n'étiez pas là, alors qu'on me donnait cette explication, c'est comme s'ils disent, vous avez fait, on avait raté hier, alors ils ne peuvent pas répondre, alors eux, ils sont crus plus que l'autre. Et d'après Chachamim, ça peut aller même sans limite, ça peut aller tant qu'ils disent, on le croit, d'après Rabbi Yehuda, contre deux, oui, contre quatre, non. La logique, la Gemara va expliquer. Ok? Ok, continue la Gemara. À nouveau, la même question que la Gemara a posée au début de la sugya précédente. Mina hanemile. D'où viennent ces paroles? C'est-à-dire, ça veut dire d'où on apprend justement cette halakha qui est dim zomemim, c'est seulement si c'était contre eux. On a eu des bonnes des logiques ou quoi, mais cette gzerata, où c'est écrit? Cette gzerata ketuv surtout, elle est écrite ou dans la Torah? La Gemara nous propose quelques psukim. Amar avada, de Amar kra, le pasuk qui parle justement de témoignage là, de Nivzomemim, la Torah elle dit, Vehine ed sheker ha'ed, sheker ana be'achiv. Ça c'est le pasuk. Vehine ed sheker ha'ed, sheker ana be'achiv. Dire Avada, quand on dit Sheker Ha'ed, on ne dit pas Sheker Ha'edut. C'est ainsi que le Rambam l'explique. On ne dit pas Sheker Ha'edut, le témoignage est faux. On dit le témoin, c'est un menteur. Ça veut dire Achete Sheker Goufa Sheledut. Je dois retrouver faux quoi? Pas le témoignage, mais le témoin, je dois le retrouver menteur. Ça veut dire Hazama, comme la Mishnah dit, et Atzman. Pas l'histoire. Ça, c'est le premier source. Ok? Le témoignage est vrai. Je ne sais pas si ou peut-être vrai, peut-être pas vrai, je ne sais pas. Mais le mensonge concerne la personne, plus que l'histoire. Oui? Ed sheker ha'ed, pas la edut. Ça, c'est la première explication. De vei Rabbi Ishmael Tan, une autre explication qui vient du Bet Midrash de Rabbi Ishmael, les élèves de Rabbi Ishmael qui disent. Le pasuk qu'il dit, la même histoire, la même juste deux psukim avant. Le pasuk là de Edim Zomemim, quelques psukim avant, il dit qui yakum ed Hamas beish la'anot bo sara. Ça c'est le pasuk. Si il y aura un faux témoin qui va monter contre un autre juif, la'anot bo sara pour dire à lui une chose qui est sara. Sara maintenant c'est quoi? Avec sin, avec samer. Avec samer, oui. Sara, ça veut dire une chose qui est moussar, une chose qui est enlevée. C'est quoi les hasir? Oui, en hébreu. Ça, c'est quelque chose qui est retiré. Alors, le daber, pour dire à lui une chose fausse. Mais l'expression dans la Torah, elle implique pour dire une chose fausse, une chose retirée. Ça veut dire retirée de son contexte. Explique la Gemara. Ad she tisre goufa shel edut. Le problème de ce témoignage doit être
que pas tellement que l'histoire n'est pas vraie. Oui ou non, on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de manière, la Torah ne nous a pas donné une manière de savoir si l'histoire est vraie ou pas. Mais il y a une autre chose que la Torah nous dit. Je vous permets de savoir si eux, ils étaient là ou eux, ils étaient déplacés d'ici. Le mensonge, encore une fois, il est dans le fait que le Edim, ils étaient retirés d'ici. Toute l'histoire est arrivée. Mais Tisraël, l'anot bossara, vous n'étiez pas là. Vous étiez ailleurs. Et alors, vous ne pouvez pas témoigner ça. Alors, on a un autre, deux psukim qui nous, à partir de laquelle on peut apprendre cette idée que ça doit être l'anot bossara, ed sheker ha'ed, ou bien le mensonge, il est dans le fait que c'était Sarah. Peut-être que c'est arrivé, mais pas avec vous. Ok? Ça, c'est le deux psukim. Ça, c'est la réponse sur la question Mina Anemil. Maintenant, Rava, jusqu'à la fin de la page, on va avoir certains halakhot qui Rava va nous apprendre à ce, dans ce sujet-là, dans ce contexte-là de la Mishnah, de retrouver les témoins, monteurs, de retrouver que les témoins n'étaient pas là dans différentes configurations, différentes situations. Amar Rava, Baou Shnaim Ve'amrou, במזרח בירה הרג פלוני את הנפש. לפרומי ידו תמוע לוי יהודה אל דיס כי ראובן עד שויה שימון דון לקוטה אס דו בירה. מתנו בירה זה כמו אין גרון פלא. שפונס כי למיר אקזום פסם ופרון ללוב. תחי לונג, כלכשוס כי תחי לונג, תחי לארג' בדווקא שפונס את אקזום. כמו אין גרון שטו כי פס סומטר, זה לונג, אוקיי? מתנו אל דיס. On Lévi et Yehuda, ils disent que Réhouven et Shimon, Réhouven a tué Shimon dans le côté là-bas, où c'est l'hôtel de ville. Je vais prendre le côté du Jordan là-bas, du Louvre. Ça, on a dire que c'est solide, peu importe, pour illustrer un petit peu. Le côté du Jordan devant le Louvre, c'est là-bas où j'ai vu que Réhouven a tué Shimon. Mais Mizrach Bira, du côté est du château. Maintenant, après, ou Baouchnaïm, dans tel jour, évidemment, ça doit être dans tel jour, dans telle heure. Au bas ou shnaim, après arrive Issachar et Zvoulun, et Amrou, non, Bemarav Bira imanu haitem, vous étiez avec nous, pas loin, mais oui, quand même, c'était pas le même endroit, vous étiez avec nous dans l'autre extrémité de Louvre, je sais pas, hôtel de ville où c'est que ça termine là-bas, tout à la fin. Je donne cet exemple pour comprendre que c'est grand. Vous étiez avec nous de l'autre côté. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est Edil Zomemin ou pas? On était tous, tout le monde dit, c'était sur la même rue Rivoli, là, sur la longue rue. Il dit c'était à distance de 500 mètres, il dit c'était ici. Alors, oui ou non, ça passe ou non? Dit la Gemara, Chazinan Rav, il nous dit, c'est très simple, il faut voir. I kedekaim ebe ma'arav bira. Mir zachazu le mizrach bira. Il faut que quelqu'un, Bedin vérifie, que Bedin envoie, ou eux-mêmes il va dans l'endroit où le premier on dit. On dit, viens, on va aller, nous, au côté ouest, là où Issachar Zoulon dit que les Yehuda ils étaient. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe du côté est. Est-ce que c'est possible de voir quelque chose ou pas? Si on retrouve que c'est possible, alors, en el ozomemin, parce que c'est vrai, les Yehuda ils étaient avec vous, le côté ouest, mais pourtant ils peuvent toujours témoigner de ce qui se passait à côté est, ils ont pas dit qu'ils n'étaient pas là-bas. Hein? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, quoi. Ah, je sais pas, c'est mon question. Ça va continuer sur la suite de la Gemara. Mais ça va concerner un petit peu la suite de la Gemara. C'est intéressant comme question, mais on va regarder le mot de la Gemara. Je sais pas, c'est intéressant. Alors, dit la Gemara, si quand on est là, on peut voir ce qui se passe là-bas, alors on peut accepter tous les deux, il n'y a pas de mensonge. Vous dites qu'ils étaient à Marab, eux dites qu'ils ont vu ce qui se passe au Mizrach, et tout va bien. Et nous les ennemis. Mais si c'est pas le cas, et si c'est tellement grand que si on est là, on voit rien de ce qui se passe là-bas, on peut pas témoigner que ça c'était Réhouven, et ça c'était Shimon qui l'a tué à telle manière, on peut pas tout savoir. Alors, arrête les ennemis. Ça c'est le mot qui Rav il dit. Alors ça veut dire, il y a une façon moins directe de faire redim les ennemis. Ou de pas faire redim les ennemis. Ok? C'est évidemment normal. Il dit la Gemara, mais pshita, c'est un peu trop simple. Évidemment, pourquoi pas? Même si la Gemara n'aurait pas dit ça, on aurait fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que Bedin devrait faire? C'est une solution tout à fait logique, hein, il n'y a pas de chidouche. Dit la Gemara, il y a un chidouche. Maou de Teima, j'aurais pu dire, l'eichouche, qu'il faut craindre, le nehora bari, il faut craindre que peut-être
le premier témoin, il voit mieux que nous, que les gens normaux qui viennent vérifier. Kamash malin que nous. Maintenant, pourquoi? Encore une fois. Écoutez bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va aller vérifier, on va aller envoyer quelqu'un, ou 10 personnes, je ne sais pas, pour aller de l'autre côté là-bas, de l'autre extrémité du Louvre. On va dire, regardez bien, vous voyez quelque chose ou pas? Ok? Et ils vont nous dire, non, rien, on ne voit pas. Et alors, Bedin vont faire quoi en se basant sur le fait qu'ils n'ont pas vu? Ils vont tuer deux juifs. Ils vont tuer deux juifs en se basant sur le fait qu'ils n'ont pas vu. Et ça suffit? Ça suffit pour tuer une personne? A priori, de la Gemara, c'est pas si ça. Et s'ils ont vu? Vous n'avez pas vu. Peut-être vu, et peut-être ils ont vu. Maintenant, je ne sais pas, quand ça commence avec des machines, ça devient très compliqué. Alors, on parle sans ça, mais qu'est-ce qui va se passer si c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est à la chasse avec nous, parce qu'on peut aller très loin avec. Mais le problème, c'est de savoir si c'était possible de voir ou pas. Oui, mais on a, c'est pas une certitude, c'est une certitude à 100%. C'est 100%. Et si ils ont vu mieux, si ils voient mieux que nous? Et s'ils voient mieux que nous? Ok, alors ça complique un peu l'histoire. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué. À l'époque de la Gemara, c'était plus simple. Mais même ça, dit la Gemara. Et peut-être nous tous. Maintenant, Stam, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pourcentage de gens dans le monde qui portent lunettes, vous pouvez le voir, il est assez grand. À l'époque, il n'y avait pas de lunettes. Le pourcentage de gens qui doivent avoir de lunettes, peut-être était le même. Alors peut-être que plusieurs personnes qui étaient là, qui Bedin envoyait, ils ont eu besoin de lunettes, ils n'ont pas vu. Et les autres, ils ont vu mieux. Hein? Il n'y avait pas de lunettes. Encore une fois, on parle sans lunettes. Quoi? Oui ou non, mais la Gemara dit, est-ce que ça suffit pour tuer une personne? C'est ça la question. Et dit la Gemara, on va continuer. Elle dit la Gemara, à cause de la distance. Non, et si... Ah non, c'est une autre chose. A priori, non. Mais la Gemara dit, on parle de question de distance. Ici, il y a un chidouche. Pour tuer une personne, a priori, il faut avoir une certitude de 100%, pas 99,9%. Dit la Gemara, non. Bien que ce n'est pas 100% certain, ça suffit pour tuer. Et ça, l'alakha, il faut savoir, l'alakha, elle est que Bedin, il peut tuer une personne en se basant sur Rov, sur majorité. L'exemple classique, elle est, c'est pas exactement le même cas, mais par exemple, comme quelqu'un il a eu des rapports interdits avec sa mère, par exemple. Oui? Et Bedin peut lui tuer. D'où ils savent que c'est sa mère? Ils savent? Comment ils peuvent savoir? Ils étaient avec eux depuis leur naissance? Ils savent pas. Mais normalement, c'est la mère. Oui? Alors on sait, sur klim à la chazakot, on appelle ça. On peut tuer quelqu'un en se basant sur une chazaka, sur une estimation qui est assez probable. Et justement, ça, c'est le chidouche. Kamash malan, que bien que c'est pas 100% certain, on peut toujours tuer. Ok? Quoi? Ah oui, bien sûr, ça n'en parle pas. C'est juste pour comme je veux tuer les dîmes de mamie parce qu'eux, ils n'ont pas vu. Peut-être qu'ils ont vu. Justement, on se base, oui. Ça, c'est le chidouche. Kamash malan. On aurait pu dire non, et on dit non, on se base, oui. C'est plus que c'est chazaka, assez probable, c'est 99%, mais c'est toujours pas 100%, et on peut tuer. Non, mais on dit qu'ils n'étaient pas là, et ils étaient trop loin, ils n'ont pas vu. Ils disent qu'ils n'ont pas vu. C'est un chidouche quand même. La Gemara dit que ce n'est pas pshita. Ok, ça c'est le premier cas. Un deuxième cas. Ve'amar Rav. Ba'u shnaim ve'amru. Besoura. Je sais que là, je pense que c'est là que j'ai qu'on avance. Peut-être après. Ve'amru shnaim ve'amru. Besoura. Dans la ville Soura. À Bavel, il y avait une ville Soura. Betzafra. Le matin. Dans le matin. Bechad de Shabbat. Dimanche matin. Dans la ville Soura à Bavel. Harag ploni et anefesh. Les Lévi Yehuda disent que Reuven a tué Shimon dans la ville Soura à 10h du matin. Maintenant, ve'ubau shnai ve'amru. Il y avait d'autres témoins qui disent, bepania bechad b'shavat. Le soir de ce jour même, pania c'est le soir. Le soir de ce jour même, le dimanche soir, imanu haitem ben Ardea. Vous étiez avec nous dans la ville Ardea. Dit la Gemara, chazinen. Il faut vérifier à nouveau. Il faut aller faire un test et voir. I mitzafra lepania matzi azil misura lenarda. Si c'est possible d'arriver du matin au soir de sura nearda, alors lo avuzememin, ils sont pas edim zememin,
Pourquoi? Parce que c'est très possible qu'ils étaient, que le matin ils étaient là, et le soir ils étaient là-bas, on peut accepter les deux. Mais il a, mais si on retrouve, d'après ce que nous on voit, c'est impossible, ha vous zomemin, et zomemin égale quoi? On les tue. On les tue. Oui? Pourquoi? Parce que, je bouge un petit peu la bouteille. On les tue. Pourquoi? Parce que les gens qui Bedin envoyait pour faire le test n'ont pas arrivé à marcher de Soura à Narda. Ok? Encore une fois, dit la question, on pose la question, la même question, pshita. Ben, c'est normal, bon, on a tout vérifié. Il a la même réponse. Ma, presque la même réponse, la même idée. Ma ou de teima, j'aurais pu dire, ne leichouch. Il faut craindre les gammes la parcha. Peut-être, oui, ils ont eu un, comme à l'époque, un chameau, comme un chameau qui court très rapidement, comme le Megillat Esther là-bas, Hashteranim, Bnei Aramachim, qui court très très vite. Peut-être qu'ils ont trouvé un chameau très vite aujourd'hui en voiture qui est beaucoup plus que l'habitude. Alors ils sont arrivés. Peut-être qu'ils ont roulé à 250 par heure. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont arrivés. Kamash Malan, non. Encore une fois, ceux qui nous retrouvent à un chazaka véritable, que c'est impossible, ça nous suffit pour tuer les deux en tant qu'Edim Zomimi. Ok? On ne va pas sauver leur vie pour dire parce que peut-être qu'il y avait une chose. Non, ça ne suffit pas pour sauver leur vie tant qu'il y en a un chazaka qui s'est dit. Et alors, on voit que ce n'est pas si évident ce que Rav a dit. Alors, on a deux mots que Rav a dit, compris douche. La première chose, qu'on peut tuer les Edim Zomim en se basant sur le fait que d'ici, on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Bien qu'on accepte que vous étiez là, vous parlez de ce qui se passait là-bas, mais c'est trop loin. Alors, on vous tue parce que nous, les gens normaux ne voient pas. Ou bien, un autre cas, vous étiez peut-être le matin ici, le soir, vous ne pouvez pas dire que vous étiez le matin ici et le soir là-bas, parce que c'est trop rapide. Et nous, on ne connaît pas la possibilité de le faire, et alors, comme nous, on ne le connaît pas, toute personne connaît cette possibilité, on va vous tuer. C'est un rinouche quand même. Hein? Qui? Bedin? Bon, Kamishpat le Lokimu, alors que Kadosh Baruch Hu, il est avec Bedin pour. Qui? Quel témoin? Ah, ceux qui vont vérifier, bon, c'est à Bedin de voir qui voit cette personne pour vérifier. Bon, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère après. Non, c'est vrai, mais Akadosh, il a écrit Amishpat Elokim, Hashem il est avec le Bedin. Et ce qui se passe à Bedin, c'est émet. On verra ça après. Pourquoi il leur met en situation et on ne le pas? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas. Peut-être, je ne sais pas, une bonne question, je ne sais pas, une très bonne question. Très bonne question, je ne sais pas vous dire, mais je ne sais pas comment ça va marcher, je ne sais pas comment ça va marcher. Nous, par exemple, on dit, on ne voit rien, et vous, on commence à raconter une chose. Ok, c'est la même chose, peut-être que c'est le cas de la Mishnah même, ça change quoi? Je ne vois pas comment ça va aider. Ils vont nous dire, on voit que c'est Yehuda. Après, nous, si on voit que c'est pas vrai, on va dire qu'ils ont deviné. Si on voit que c'est pas possible de voir, on va dire qu'ils sont déçus. Sans voir, c'est compliqué, mais sans se déplacer, c'est possible. Pour comment faire un test, comment il va? S'ils arrivent à le faire, je sais pas. Ils disent, hier, on a eu un chameau plus rapide. Ah. Ils vont dire ça, là, ça va pas aider. Ok. Oui. Contradire, c'est pas le moment. Hein. Contradire aussi. Ils peuvent soit contradire son et ça reste égal suspendu, ou faire zomemim, même son. Oui. D'après Rachamim. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous. Alors on accepte leur témoignage. On tue aussi. On va tuer lui et eux. C'est un cas qu'on verra. Oui. C'est un cas qu'on verra et ça, c'est lié avec la suite. C'est lié avec la suite. Ok. Bien, on continue. Maintenant, on a le mot de Rava. Maintenant, Rava, il nous rajoute encore une halakha un peu plus compliquée. J'espère qu'on pourra le finir avant le 20 jours, jusqu'à la fin de la page. Je veux donner deux, trois introductions pour pouvoir facilement comprendre ce que Rav est en train de nous dire. Quand on dit que les deux témoins, qui est Dim Zomemim,
ont voulu faire quelque chose à quelqu'un et c'était faux. Et alors on va le punir, on va le faire la même chose, que ce soit. Et maintenant, il y a, je veux déjà, que ce soit l'argent ou malkot ou mita, il y a une chose qu'il faut savoir. Si, même avant que les témoins ils sont arrivés, ils ont donné leur témoignage, les dix hommes, on a une autre source pour savoir que de toutes les façons, il est chayav mita. Il est déjà chayav mita, il est chayav mita, chilul shabbat. Ils arrivent, ils disent, il a tué une personne, ce qui est faux. On retrouve que c'est faux, ils n'étaient pas là-bas. Mais la personne est déjà chayav mita. Est-ce qu'il le tue quand même ou pas? Je vous parle en cas. Pour notre raison. Il y a Reuven qui on sait qu'il était Michalel Shabbat. Nous, on était lui Michalel Mita, il s'est sauvé. On le cherche encore pour le tuer. Mais après, il y a deux témoins qui disent qu'il a tué quelqu'un aussi à telle et telle date. Et après, on retrouve qu'ils sont zomimim. Alors, eux, de leur côté, ils étaient des zomimim. Ils ont voulu le tuer. Ils ne savaient pas que la personne de toute la façon, il va mourir. En tout cas, il est chayav mita déjà. Dans ce cas-là, est-ce qu'on le tue à cause de leur kavana ou pas? La première chose à savoir, dans ce cas-là, on ne le tue pas. Parce que cette personne est déjà considérée une personne morte. Gavra Ktila, il est déjà mort. Et c'est une question de temps, jusqu'au Bedin le retrouve, il va mourir. Il est déjà chayav mita. Alors, quand Bedin, le din, il est, c'est un exemple. Quand quelqu'un, il tue quelqu'un d'autre avec ses mains, mamash. Mais cette personne, elle était ce qu'on appelle trefa. Une personne qui a une maladie et qui va mourir certainement à l'pialacha. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav mita, même s'il va le tuer lui-même. Ok? Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un qui n'est pas vivant. Ce n'est pas vraiment vivant. Ok? Bon, ce n'est pas seulement simple, mais trefa, ce n'est pas la même chose. Alors, ici, s'il y a deux témoins qui ont témoigné sur une personne qui est déjà chayav mita, gavra ktila ktila, il est déjà mort. Ok? Hein? Alors on ne peut pas le tuer. Ça non, mais il est déjà mort. Il s'est témoigné sur une personne morte. Il n'y a rien à faire. Albert Herzé, encore un cas. Si la personne, ils ont dit, lui il est chayav à l'autre et dans son héros, de telle et telle raison. Maintenant, eux ils ont son mémime, ils n'étaient pas là. Ils ont inventé une histoire qui n'était pas là pour le dire, le désir de mémime. Mais c'est vrai! Mais Paul, ils ont bien tombé sur la bonne histoire qui est arrivée. Nous, on a des autres témoins qui nous disent la même chose il y a quelques heures et on sait, il est chayav à payer l'autre. Est-ce que quand même, on va le faire payer de l'or mazamam ou pas? Le digne est la même chose, on ne le fait pas payer. Il est déjà chayav mamon, ils n'ont pas voulu lui faire perdre plus qu'il est déjà chayav. Alakha intéressante. Il faut que ce soit la même somme. Oui, et si c'est la même chose, pour l'argent, ça doit être plus proche, c'est la même chose, ok? Ça, c'est la première chose à savoir. Ok? Gavra Ktila, s'il est déjà chayav mita, ils disent, ils ne vont rien rajouter. Alors, on ne peut pas le punir pour une chose qu'ils ont fait à quelqu'un qui est déjà mort. La même chose pour l'argent. S'il est déjà chayav tashlumin, le fait qu'eux, ils ont voulu faire la même chose sans savoir, ça ne rajoute pas, eux, ils n'ont pas tout. C'est clair? Ça, c'est une chose à savoir. Une deuxième chose, il y a quelques pirouchim, mais la première chose que je veux dire, je vais choisir le pirouche de Kirabaki Veigirdon ici, dans le côté de la page. Il y en a chasse. C'est possible que c'est la vie d'Urashi aussi. Je pense que c'est le plus simple, le plus logique à expliquer. On va parler aujourd'hui, dans le prochain, on va parler de trois cas. Trois cas d'Odim Zomemi. Chiyuv Mita. Après, Chiyuv Mamon. Et après, Chiyuv Knas. On a parlé déjà quelques fois. Il y a une différence entre remboursement et amende dans la Torah. Par exemple, un voleur qui a volé un objet, rend, il a volé 200 euros. Alors, rendre le 200 euros, ça, c'est chiyuv mamon, c'est remboursement. C'est pas à toi, rendre-le. Comme quelqu'un qui a prêté l'argent, qui a emprunté l'argent. C'est pas à lui, il faut rendre. Mais le double, le tashlumei kefel, le fait qu'il doit payer encore 200 euros, ça, c'est un amende. Ok? Il faut savoir, il y a une grande différence entre chiyuv mita et chiyuv knas, chiyuv d'amende et chiyuv mamon. Une grande différence. À partir de quel moment on peut considérer la personne qui a été mechalel shabbat, bemezid par exemple, beatra, quelqu'un qui a été mechalel shabbat de façon qu'il est chayav mita, à partir de quel moment il est considéré chayav mita? À partir de quel moment un rotser, quelqu'un qui a tué Bemezid, il est chayav mita? Je vous pose une question simple. Quelqu'un qui a tué son ami volontairement, que Dieu préserve, et après il fait tshuva, il ouvre la Torah et il écrit qu'il est chayav mita. Est-ce qu'il doit aller sauter de le toit?
Est-ce que le khayav mita? Est-ce qu'il doit se tuer parce qu'il y a un khayav mita? Non, il n'est pas encore khayav mita. Le khayav mita commence à quel moment? Quand Beddin va accepter le témoin. Lui, il sait la vérité. Lui, il doit... Non, ce n'est pas en question de ne pas savoir. La Torah n'a pas encore mis le khayav mita tant que Beddin n'a pas décidé, n'a pas ordonné qu'il est khayav mita. Ok? Il le devient gavraktila. Pas à partir du moment qu'il était Mechalel Shabbat, pas à partir du moment qu'il a tué son ami. Il faut que Bedin dise qu'il est Khayav Mita. C'est simple, oui, c'est logique. La même chose, comme quelqu'un, il fait maintenant de l'autre côté. Comme quelqu'un, il a emprunté l'argent. Est-ce qu'il doit attendre que Bedin lui force de payer l'argent pour être Khayav Mamon? Non, depuis le premier seconde, il est Khayav Mamon. Quelqu'un qui vole, il doit rendre, c'est simple. C'est pas un Khayav que Bedin doit créer. Le Khayav, il est là. Lui-même, il est obligé. Si tu sais que c'est vrai, paye. Par contre, le knas, le double, un ganav, il doit payer double? Non? Tant que Bedin n'a rien dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de khiyuv. De même manière que khiyuv mita et khiyuv knas, tous les deux, sont khiyuvim qui commencent à partir du quand? À partir du moment que Bedin a statué qu'il est khayab. Tant qu'il n'y a pas gmardin, il n'y a pas de khiyuv. Ok? Ça, c'est différent de ça. Pour ça, c'est lié aussi avec le fait qu'il y a un modé. C'est lui qui vient à Bedin et dit, j'ai tué, Benézi. Pas lui tuer. La règle, la seule que la Torah a mis en place, il y a des témoins qui disent, Bedin qui vérifie qu'ils sont bons témoins, ils acceptent, et alors on va le tuer. Pas avant. Si toi tu dis, ok, peut-être, mais t'es pas khayaf. Knas, la même chose. J'étais, hein? Si la personne a la boue, on accepte pas. Il faut avoir des témoins, Bedin qui pose, et alors tu es khayaf, mais tant qu'il t'a pas, il y a khayaf, c'est un seul comme la Torah a mis en place. Il ne va pas mourir, il ne doit pas aller sauter de la Torah parce qu'il l'a tué. Il n'y a pas de khiyuv comme ça de la Torah, c'est simple. Oui. Maintenant, par contre, quelqu'un, la même chose, moi j'ai volé, alors paye 100 euros, mais 200, tant qu'il n'y a pas Edim qui vont dire, alors il n'y a pas de khiyuv. C'est lié avec cette idée-là, ok? Maintenant, une fois qu'on a accepté les deux points-là, la première chose, que Edim Zomemim qui ont témoigné sur quelqu'un qui est considéré déjà une personne morte. Maintenant, à partir de quand il est mort? À partir du Gmar Din de Bedin, hein? Pas à partir du moment qu'il a fait. Si les témoins ont arrivé après qu'il y a déjà un Gmar Din sur cette personne, alors on ne le tue pas. Il est déjà une personne morte pour nous. La même chose, s'ils ont vu, alors, et aussi, si les bêtes des témoins ont arrivé après que la personne est déjà Khayav Mamon, aussi il ne paye pas. Maintenant, Khayav Mamon, il peut être de deux manières. Soit, dès qu'il, après le prêtre, oui, dès qu'il a prêté, dès qu'il a emprunté, il doit déjà rembourser. Alors, si les témoins, ils disent qu'il est... Edim Zomemim, qui en vente qu'il est khayav à son ami de 100 euros, et ça revient vrai. Oui, et c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, ils sont pas tous, parce qu'il est déjà khayav. Par rapport au Knas, s'ils vont venir après que Bedin a dit qu'il est khayav Knas, oui, vous êtes avec moi, oui, si le Bedin vont déjà dire khayav Knas, et après seulement les témoins, ils vont, Edim Zomemim vont venir, il est khayav Knas, à nouveau, ils sont pas tous. Pourquoi? Il est déjà khayav à partir d'une fois qu'il avait Bedin. Par contre, si les témoins ils vont venir, ils vont après qu'il a tué ou après qu'il était khayav knas, mais avant que Bedin a fait quoi que ce soit avec. Bedin n'est pas encore en courant. C'est pas encore arrivé à Bedin, il n'est pas encore gmardin. Alors ici, ils vont être khayav mita ou pas? Ils vont être khayav mita. Et peut-être que lui, en 2 heures aussi, il va être khayav mita. Une fois que Bedin va s'occuper de lui, il va être aussi khayav mita. Des autres témoins. Ok? Pourquoi? Parce que les témoins, les dinzomim, vont être khayav mita parce qu'ils sont arrivés avant que la personne était encore gavraktila. Alors on les tue à cause d'eux-mêmes. Après lui, on va faire gmardin aussi. Knas. Ils vont arriver avant le khiyuv du knas par Bedin. Oui? Alors lui, il n'est pas encore khayav, il ne doit pas encore payer. Ils ont créé un khiyuv sur lui et les dinzomim, ils vont payer. Après, le Bedin va faire à lui son khiyuv. Il va repayer aussi. Ok? Pourquoi? Ah, parce qu'on ne peut pas faire Kachar Zamam, je ne sais pas. C'est mon question, je ne sais pas si. Pas forcément. Parce que si le Kavrakti, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet à ce témoignage. Je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais c'est possible que non. Ok, maintenant on verra. Si tout est clair, la Gemara va être très facile à comprendre maintenant. Ve'amar Rav. Baou Shnaï Ve'amrou. Maintenant, l'histoire que Rav il parle, c'était mardi. Ok? Mardi. Il y a deux témoins, il y a Lévi et Yehuda qui arrivent et ils disent, Bechad Beshabbat, mardi, Lévi et Yehuda nous disent
que dimanche, Chag Beshabbata, Harag Ploni et Anefesh. Reuven a tué Shimon. Dimanche, Reuven a tué Shimon. Ça, ainsi disent les Juifs. Ils disent pas qui s'était ramené à Bedin. Oui, on ne sait pas si c'était à Bedin, n'était pas en courant encore. Mais ils disent, c'est arrivé. Maintenant, Baushnaï et Amoué, il y avait des autres témoins qui disent. Imanu Aitem Bechad Beshabbata. Dimanche, c'est tout. Encore une fois, à Bedin, ils sont à quel jour? Mardi. Ok, là c'est mardi. Maintenant, ils parlent de ce qui se passait dimanche. Ils disent non. Dimanche, vous étiez avec nous. Imanu Aitem Bechad Beshabbata. Et là, Betrei Beshabbata, on est d'accord avec vous que lundi, Harak Plonit Anefesh. Lundi, il a tué. Alors, c'est les témoins, maintenant, c'est Issachar Zvolun, oui, le deuxième couple de témoins, et maintenant, il accuse trois personnes. Ils accusent Reuven, oui, il veut être Mechayev Mita, Reuven, parce qu'il a tué. Oui, il donne un témoignage sur trois personnes, sur Reuven qui a tué, et sur Levi Yehuda qui sont Edim Zomemim. C'est clair, d'accord? Issachar Zvolun disent, on est d'accord que Reuven est Chayev Mita, on est d'accord que Reuven a tué. Mais c'était pas dimanche, c'était lundi, et à part, dimanche, vous avez fait un avera, parce que vous êtes les dîmes de Mimim. Alors vous aussi, ils ont Chayav Mita. Alors c'est intéressant, la Gemara va revenir à ça tout de suite, mais ça va être deux choses différentes. Lui, il veut Chayav Mita aussi, c'est deux témoignages, deux histoires, deux averotes. Alors dit la Gemara, dire encore plus, Velohod, encore plus que ça. Afilu Amrou, si ils vont dire, Erev Shabbat Arakponita Nefesh. On est d'accord avec vous qu'il a tué, mais il a tué déjà vendredi. Pas dimanche, pas lundi. Il a tué vendredi, il a tué déjà. Alors, Reuven a de Chayav Mita depuis... Pas Chayav Mita, oui, c'est pas exact. Reuven a tué depuis vendredi. Il était à Douver amené à Bedi. Mais dimanche, c'est sûr que vous ne pouvez rien témoigner. Alors, le cas, il est Neheragin. Pourquoi on le tue? A priori, Gavraktila. Oui, parce que il va lui tuer quelqu'un qui est déjà Chayav Mita et il va mourir. Parce que Bedin va accepter le témoignage d'Issachar Zvolun, il va tuer Reuven. Bedin va tuer Reuven et aussi il va tuer Shimon Levi Yehuda. Alors a priori, ils sont en train de tuer quelqu'un qui est considéré mort. Dit la Gemara non. Parce que Be'idna de Kamesahadei, le moment qu'ils ont arrivé à Bedin pour témoigner, là-bas, le mardi, quand ils leur ont parlé, Gavra lav barktalaou. Il n'était pas encore Chayav Mita. Et pourquoi? Parce que Issachar Zvolun vient de dire qu'il a tué. Bedin n'a jamais encore été Chayav Mita. Tant que Bedin n'a rien fait avec cette information, Reuven est Chayav Mita, ce qu'on a dit avant. Non, il ne doit pas sauter de toi. Parce que même s'il sait très bien qu'il a tué, Bedin n'a pas encore Chayav Mita, il n'est pas Chayav Mita. Alors, Gavra Lav Barktalo, alors, pour ça, à partir de quel moment il est considéré? Et c'est pour ça que on va accepter le témoignage du Issachar Zvolun sur Reuven plus tard. Parce qu'il peut lui, il va lui tuer aussi. Mais Levi Yehuda aussi. En tant qu'Edim Zomimim, qui ont voulu tuer quelqu'un qui n'est pas encore Chayav Mita. Après, finalement, il va mourir aussi, son histoire à part. Ça, c'est le mot du Rav. Ok? Il n'est pas Chayav Mita. Non. Oui. Encore une fois, on a expliqué ça avant. Rabbi Akiva Eiger le dit. Si quelqu'un, il sait, lui-même, quelqu'un, il sait, il a tué Bemezid. Après, il ouvre, il fait tshuva, il ouvre la Torah, il dit qu'il est Chayav Mita. Il doit sauter du toit ou pas? Il ne doit pas. Parce que ce n'est pas à lui de le faire. Tant qu'il n'a pas encore Chayav Mita. Le Chayav Mita commence dès que Bedin vont dire. Sinon, il n'y a pas de Chayav Mita. Ok? Dit la Gemara, Maïka Mashmanan, c'est quoi le chidouche de Rav? A priori, c'est une Mishnah claire. Pnina. On a une Mishnah claire, on va le voir un petit peu plus tard, Rav Vav Amud Bet. L'Odin, il dit, Lefichach, je ne vais pas rentrer dans le cas de la Mishnah trop, mais la Mishnah, elle dit, Nimtzet achat mehem zomemet, hu vehen neheragin vashniya ptura. La Mishnah là-bas, elle dit, la Mishnah là-bas, elle parle, s'il y a quatre témoins, et on considère, à cause d'une raison expliquée dans la Mishnah, qu'ils ne sont pas un seul témoignage. C'est considéré comme deux groupes. Deux groupes à part. Et alors, on retrouve que seulement Levi Yehuda, ils étaient Zomemim. Les autres groupes, on ne sait pas, peut-être qu'ils ne sont pas Zomemim. Le cas, le din, il est qu'on va tuer Levi Yehuda en tant que din Zomemim, mais on va tuer Reuven aussi. Et pourquoi?
Parce que, encore une fois, de quoi le cas? On a 4 mois, 2, 2. 2 parmi eux devenus Edim Zomemim. Oui, 2, 2, 2 sont Zomemim. Le reste, 2, 2 qui ne sont pas Zomemim. Alors, on va tuer eux en tant que Zomemim, on va tuer Reuven, sans besoin sur les 2 restants. Ok? Ça, c'est l'Odin cité dans la Mishnah d'Avar Amoudbet. Dit la Gemara, si c'est ça qui Rab va nous dire, ce chidouche, qu'on peut tuer les 2, on peut séparer les 2 histoires, on tuer, que ce soit Reuven, que ce soit les Edim, ça, c'est écrit dans la Mishnah. Dit la Gemara, c'est vrai. C'est pas le chidouche d'Orava. Cela, c'est écrit. Le chidouche d'Orava, c'est la suite. Ce qu'on a parlé oralement. Dit la Gemara, Seifa, ma she'enken, bigmar din, istarichale. Le chidouche qu'Orava a voulu dire, c'est la fin de ses paroles. Ce qui concerne le gmar din, pas ce mot-là. Ça veut dire. Regardez, c'est un cas qui va être différent. Toujours mardi. À Bedin, Bedin, c'est assis mardi. Et y'a, ch'baou ch'naï ve'amrou, bechad de Shabbat, un nigmar dino shel ploni. Lévi Yehuda, ils disent que Reuven, nigmar dino shel ploni. Ils disent que dimanche, il y avait un Bedin à Paris, je ne sais pas, quelque part, qui était mechayev mita Reuven du fait qu'il l'a tué. C'est une autre histoire. Ils disent qu'il y avait gmar din. Ou baou ch'naï ve'amrou, non. Bechad de Shabbat, imano ite, vous n'étiez pas à ce Bedin là pour savoir ce qui se passait. Dimanche, vous n'étiez pas là. Mais Erev Shabbat Nigmar Dino Shel Ploni. C'était vendredi qu'il était, le Bedin de Paris a décidé qu'il est Chayav Mita. Encore plus, Velood, Afilo Amrou Betrei Be Shabbat, pas vendredi. Lundi, Nigmar Dino Shel Ploni. Aujourd'hui, c'est mardi. Ici, dit Rava, Enelune Ragi. Rav, il nous dit, dans ce cas-là, on ne tue pas les vies Yehuda. Et c'est le seul qui va être tué, ça va être Reuven. Et pourquoi? Pour des Be'idna, des Kamesade, parce que mardi, aujourd'hui, mardi, quand ils sont arrivés à Bedin, ça c'est sûr qu'il gavra Barktalahu. Parce qu'une fois que les témoins, le deuxième témoin ont dit qu'il y avait Gmardin aussi, si tout le monde est d'accord qu'il y avait Gmardin, alors il s'avère que quand les témoins sont arrivés, c'était déjà après qu'il est gavra Ktila. Alors ils n'ont pas tout. Ils ont voulu tuer quelqu'un, c'est très grave, ils doivent faire tchouva, mais ils ont voulu tuer quelqu'un qui est déjà mort. Le premier cas, ils ont voulu tuer quelqu'un, on sait aussi, il s'avère qu'il a tué. Mais on ne sait pas encore s'il est Khayamita. Il a tué, mais il n'est pas Khayamita, c'est deux choses différentes. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Ces deux personnes, ils ont voulu tuer quelqu'un qui est déjà Khayav parce qu'il y avait Agmardi. Vous voyez? C'est ça le Khidush d'Orava. Ok? Ce qu'on a parlé avant, là on voit le mot de la Gemara. Continue la Gemara. Vechen leinyan tashlumei knas, la même idée, la différence entre les dim zomemim qui vient après le fait qu'il a fait le chiyuv knas ou le fait que bedin est un chayev knas, que là il est considéré qu'il est déjà chayav, là il n'est pas encore chayav. Alors la même chose on verra pour le portant de shlumei knas. Baou shnai ve'amrou si mardi, il y a deux témoins qui disent bechad beshabbat, le dimanche, ganav. La personne a volé un, par exemple, il a volé un berbi, v'tavach u'machar, et il a fait la shchita ou il a vendu. Dans ce cas-là, il est chayav pas seulement double, hein? Il est chayav plus. Il est chayav quatre fois, ok? Arba'at son tachat aseh, 4 fois de plus. Alors dans ce cas-là. Ou Baushna, alors ils disent qu'il est chayav un grand knas à payer. Double, 3, 4 fois de plus. Mais après, Baushna et Amrou, dimanche, Bechad de Shabbat, Imanoit, vous êtes avec nous, vous êtes Zomemim. Elle a betrei be Shabbat, Aganav et Avachou Machar. Ici, l'Odin, il est Meshalmin. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore Gmardin qu'il est chayav knas. Ils disent qu'il a fait. Mais tant que Bedin a dit, il n'a pas encore le chiyuv d'aller voir son ami et dire, ok, je fais ça, je te paye. Il n'y a pas de chiyuv encore. Il doit rembourser le minimum, mais pas payer la montant tant que Bedin n'a pas été mechayev. Alors, c'est eux qui veulent créer le chiyuv avec Bedin, et alors c'est eux qui doivent payer. Une seconde. Veloud, elle a filo amrou be'erev Shabbat, encore plus, même s'ils disent que c'est plutôt erev Shabbat, ganav et avach u'machar, meshalmin. Pourquoi? De be'idna, de kamesa, de gaf, elle a var tashlumin, parce que tant mardi, tout le monde dit qu'il n'y avait pas encore gmardin, oui, il n'y avait pas encore gmardin, alors c'est eux qui ont voulu créer le gmardin, alors c'est eux qui doivent faire var tashlumin, autant qu'ils disent eux-mêmes. Maintenant, continue la Gemara, par contre, baou shnaim ve'amrou.
Si le deux témoins disent pas seulement qu'il l'a fait, il était ramené à Bedin et Bedin a dit qu'il est chayav de payer cette amende. Alors, et ici, Baouchnaïm et Amrou, Bechad de Shabbat, Aïmano, Aïtem, vous êtes hommes, mais Erev Shabbat, Avachou Machar, Venigmar Dino, ou mieux, Velo de la Fila Amrou, Bechad de Shabbat, Betrebe Shabbat, Ganav et Avachou Machar, ou Betrebe Shabbat, Nigmar Dino, il dit, c'était encore plus tard qu'eux, ça ne change pas. Aujourd'hui, mardi, vous êtes d'accord que la personne était déjà chayav, et qu'on l'a dit, nous sommes, mais son arrivée, c'était déjà après l'Ogmar Dino. Alors, en Meshalmi, pourquoi? Déjà, ils ont voulu rien faire, perdre plus qu'il prévu. Ok? Je doute rien, il n'y a pas écrit. Je ne sais pas, il faut vérifier, mais je n'ai rien vu. Peut-être mal cote, mais l'âme d'Afka. Maintenant, par contre, si c'était Mammon et pas Knas, ici c'est sûr, peu importe quand ils vont arriver, si tout le monde est d'accord qu'il le prêt est arrivé, il y avait le prêt. Alors bien sûr qu'il doit payer, parce que le chiyuv mamon, il ne faut pas attendre Gmar Din pour avoir le chiyuv. Le chiyuv mamon commence dès que je te dois, il faut que je te paye. Alors ici, bien sûr qu'il va être patour. Si tout le monde est d'accord que l'histoire est arrivée, il va être patour. C'est clair? Pour Mita et Knas, ils sont patour seulement après, seulement si c'est le témoignage est arrivé après le Gmar Din. Pour Mammon, ils sont pas tous seuls, même si c'était avant Gmar Din, dès que tout le monde est d'accord que l'histoire est arrivée, ils sont pas tous parce qu'il est déjà arrivé. Ok? C'est Mammon, mais nous on considère que Jérémie c'est Ça change pas. Ça change rien du tout. C'est... La logique ici, elle est quoi? Est-ce que le chiyuv qu'ils ont voulu faire à lui, il existe encore? Il existe déjà ou pas? Ça change rien? Est-ce que Mammon nous connaisse? Ok, merci beaucoup, j'espère.